Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, quelle joie pour ce troisième dimanche de l'Avent, dimanche de la joie de vous voir aussi nombreux pour passer cette porte de la miséricorde. Sur Jésus et son visage de miséricorde. Dans la solennité de la bienheureuse Vierge Marie, la toute sainte, le pape François a ouvert le jubilé extraordinaire et ainsi la porte de la miséricorde de Dieu pour nous-mêmes et pour toute l'humanité. En communion avec l'Église universelle, cette célébration inaugure solennellement l'année sainte pour notre Église diocésaine. Afin d'expérimenter la grâce et la réconciliation, nous écouterons dans la joie l'Évangile de la miséricorde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. De la bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde. Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier. Devenue vivante et visible, elle atteint son sommet en Jésus de Nazareth. Le Père, riche en miséricorde, après avoir révélé son nom à Moïse comme Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, n'a pas cessé de faire connaître sa nature divine de différentes manières et en de nombreux moments. Ouvrez les portes de justice. Nous entrerons, nous rendrons grâce au Seigneur. Seigneur, entrons pour obtenir la miséricorde et le pardon. Vous proclamerez la libération pour tous ses habitants. Dieu. Le Seigneur, votre Dieu. Nous.